Salut, salut, bonjour, cher leader, comment vous allez? J'espère bien. Ici le leader Yves, partenaire de CHI, Mall, Série Internationale. Ok, aujourd'hui nous allons découvrir la toute nouvelle application, la version 2 de notre ancienne application Série. Comment ça fonctionne? Quelles sont les réalités que ça comporte? Comment vous familiariser avec cette nouvelle application? Merci beaucoup. On va aller directement dans l'application qui se dénomme CHI. Ok. Comme prévu, vous le savez très bien, je demande à tout un chacun de s'abonner à la chaîne. C'est très important. Il faut vous abonner à la chaîne. Voici l'application qui est là. CHI. CHI. C'est ça l'application. On va cliquer sur l'application pour ouvrir l'application. Et voilà l'application qui s'ouvre. C'est bon. L'application s'est ouverte. Ça va nous demander de mettre le code et entrer. Dans l'application, on va voir directement ici. On a le New Retail déjà. Et on a le Wholesale Area. Et on a l'AutoTrade. Tous être dans le home page en même temps. Quand vous cliquez sur home page, vous avez le tout en même temps. Donc, c'est très simple à faire. Tout en suivant notre petit bonhomme de chemin, l'application est toujours en phase d'expérimentation. Et les petites erreurs, les petits bugs seront corrigés d'ici peu. Merci beaucoup. Là, nous allions aller sur Mine. Mine. Ici, c'est Mine. 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 Faut cliquer sur Mine. Mine. On vous demande, you have logged in yet? Are you going to log in now? Oui. Oui. Confirme. Maintenant, on demande de mettre l'adresse et tout. On va mettre l'adresse. Je vais mettre un de mes comptes. Ça, c'est un compte. Là, je vais mettre le mot de passe. Comme vous le savez toujours, il faut pour. Eh bien, voilà le mot de passe mis. On clique sur Login. Login. Je vous rappelle que cette application, il n'y a que l'anglais et le chinois. On clique sur Login. C'est bon. Ici, l'application, qu'est-ce qui est bon dedans? On vous demande d'entrer votre adresse email. Vous mettez votre adresse email. Qu'est-ce que l'application va faire? L'application va envoyer votre mot de passe, un code dans votre adresse email. Vous allez ouvrir votre boîte adresse email et vous allez mettre le code en bas. Ici, vous mettez l'adresse email et le code qu'il va vous donner, vous le mettez ici en bas. Quand vous mettez ce code, là, l'application sait que vraiment c'est vous-même le propriétaire de cet appareil qui veut accéder à votre compte. Déjà, c'est une première sécurité. Bon, pour aujourd'hui, on ne va pas le mettre. Je vais faire skip. Vous pouvez aussi passer ça en cliquant sur skip. OK? Skip, on passe. Et puis voilà l'application qui s'est ouverte. Si tu veux, tu mets ton adresse email pour vérifier à chaque accès. Si tu veux, tu le laisses. Ok, c'est facultatif au fait. Là, si tu as oublié ton mot de passe, tu peux le revoir aussi à partir de ton adresse email. Donc, voici l'application qui s'est affichée. Comment voir l'application? On va commencer par le haut. Vous allez voir ici, c'est le username d'un de mes comptes. Et ici, vous allez voir VIP 3, activer tête. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, pour entrer voir nos informations et quitter, il faut cliquer sur là où se trouve la voiture de CHE. Il faut cliquer là-bas. On va cliquer là-bas. Excusez-moi. Vous voyez, c'est ça. Là où nous avions toutes nos informations, vous mettez toutes vos informations. C'est ici qu'il faut mettre également les informations de retrait et tout, votre numéro, tout, tout. Et pour mettre ces informations, il faut aller sur modifier. Comme dans l'ancienne application, on l'a toujours fait. On clique sur modifier. Vous voyez, tout est là. Vous sélectionnez tout, vous mettez toutes vos informations. Après, on va revenir là-dessus. On retourne en arrière pour voir. Et ici, pour quitter, vous cliquez sur Logout ici. Logout. Pour quitter, c'est ici, on quitte. Maintenant, on va revenir en arrière pour parcourir l'application en fait. Pour voir, vous allez voir que bon, l'application s'est ouverte. Il y a des icônes jaune, jaune, orangé, façon dorée.
Eh bien voilà, ici nous avions le recharge, si vous voulez recharger votre compte. Ici le withdraw, si vous voulez récupérer vos gains. Income, ce que vous avez gagné, c'est ça. Currency flow, toutes les transactions que vous aviez faites. Et le P2P, peer to peer, ici c'est la transaction entre membres. C'est la même chose que l'autre side, le upgrade, si tu veux aller au niveau supérieur, par exemple sur VIP 3, je veux aller au VIP 4, c'est ici qu'il faut rentrer pour faire le upgrade. Donc tout est là, tout est là. Il y a le network diagramme aussi qui est là. Le network diagramme pour faire les enregistrements qui est là aussi. Donc vous allez tout. Maintenant, on va parcourir un à un ces trucs-là pour voir. Pour voir également votre compte qui s'affichait en haut avec les séries points, tout ça là, il faut également cliquer ici. Ici. Le portefeuille qui est ici là. Oui, c'est sur ce portefeuille qu'il faut cliquer. Maintenant, pour voir nos points qu'on a, on va cliquer sur ce portefeuille. On va cliquer sur ce portefeuille pour voir nos points et tout. Je vous rappelle que l'application est toujours en maintenance. Ils sont en train de régler les petits bugs. D'ici peu, on va vous donner tout. Voilà, voilà qui est ouvert. Vous allez voir mes points SRU. Avant, c'était des points SRU ici. Avant, c'était des points SRU. Maintenant, c'est CHI point. CHI point, j'ai 22 virgule et quelques. Et on peut voir le détail. Comment ça a été? Comment est-ce que ces 22-là sont arrivés dans mon compte? On clique sur détail. Vous voyez, c'est arrivé. Vous avez tout. Comment les transactions ont été faites? Vous avez tout. Vous pouvez tout voir. C'est ça. Par exemple, ici, les 25, ici. Les 25 là. Les 25 qui sont ici là. C'est parce que c'est un transfert entre membres, ici, P2P, qu'on avait effectué entre-temps. Donc c'est ça. C'est juste un récapitulatif, une traçabilité de toutes les transactions que vous aviez. Et vous allez voir comment les points arrivent à votre niveau. C'est ça. On va en arrière. On va voir les consumption points sont là. Les wallets, les quotas, le consumption limit. Les boutique points aussi qui sont là. Et le new retail point qui est là. Donc on va en arrière. On peut voir, c'est là-bas qu'il faut voir. Maintenant, pour voir notre trade, le trade que nous avions lancé, si c'est l'auto-trade ou bien un T-trade, combien de jours nous reste, qu'est-ce qui a été fait, tout ça là, on va cliquer ici. Vous voyez, sur la barre de financial, on va ici, My Order, ici. Order. On va cliquer sur Order, View Order. On clique sur View Order et on attend. Attends, ça va s'ouvrir là. Et voilà, My Order qui s'est ouvert. Et à partir d'ici, on peut voir les trades qu'on a, les trades qui sont en cours, et les trades qui sont finis, les produits qu'on doit récupérer. Et dans notre service, on peut défiler en bas, vous allez voir, les produits sont là, les produits qu'on doit récupérer avec leur numéro, tout. Donc, par exemple, ici, All, je veux voir le trade que j'ai présentement. Le trade que j'ai. Le trade que j'ai présentement, c'est ici. C'est le tout dernier, le tout premier ici en haut. C'est ça, on a écrit releasing. 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 C'est le trade que j'ai. On va cliquer sur ça pour voir. Ouais, j'ai cliqué sur releasing. Et voilà. Le trade, c'est mon trade présentement. C'est mon panneau de trade. Ici, c'est la date. Le temps qu'il me reste. Ici, c'est ici. Le temps. Il me reste 1797 heures de temps. Donc, ensemble. Nous allions calculer. S'il me reste 1797 heures divisé par 24 heures par jour, donc j'ai encore 74 jours. J'ai 74 jours encore. Ici, c'est en heure que ça s'affiche. C'est pas mal, il n'y a pas de souci. C'est un auto-trade, ça va finir et tout. J'ai 74 jours encore qui me reste pour que ce trade finisse. Vous voyez? Et ici, ce qui a été déjà aussi versé, actual payment, c'est 80 dollars. C'est 80 dollars l'actual payment ici. Donc, on peut voir aussi l'adresse sous laquelle nous sommes, le service centre, qui est aussi ici. Le service centre, c'est ça. C'est le service centre ici. L'adresse sous laquelle nous sommes. C'est le service centre. Vous pouvez aussi voir automatiquement votre service centre ici, dans ce back office. Et vous avez le numéro, le code, le numéro, de l'ordre, de la commande que vous avez fait. Avec ce numéro, vous allez retirer ce produit. C'est ça, on va en arrière. Déjà, on a vu notre backlog. C'est le trade, le temps qui nous reste pour que ce trade finisse. On va en arrière.
C'est ça, vous allez voir. Qu'est-ce qui sera payé, to be paid de sa charge? Il n'y a rien. To be shipped, qu'est-ce qui nous sera envoyé? C'est ça, ce sont les produits qui nous seront envoyés, ça. Les produits que je dois recevoir réellement dans le service centre. C'est ça. Donc, à peu près, vous pouvez aussi vérifier tout. Oui, c'est pas bien écrit après. Vérifier tout, c'est ça. Ça, c'est auto-trade, l'auto-trade que j'ai lancé. To be completed. Ici, c'est to be completed. Ici, c'est to be completed. Ici, to be completed. Qu'est-ce qui est en cours? C'est ça. C'est le trade que j'ai lancé. C'est ça. C'est ce que j'ai lancé, ça. Bon, maintenant, on va retourner en arrière pour aller encore explorer autre chose. Là, on a tout vu. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut encore. Par exemple, le upgrade. Upgrade. Le upgrade, c'est ça, c'est le upgrade, c'est ouvert. À vous de voir, par exemple, ils savent que je suis au VIP 3, donc ils me proposent en même temps le VIP 4. À moins de cliquer ici pour choisir le VIP que je veux, là je viens le VIP 5, VIP 6, VIP 7, et ainsi de suite. Je choisis lequel je veux et j'entre le code de paiement ici, et puis paf, c'est correct. Ok, là c'est déjà bon. Le P2P, le transfert de membre-membre. Vous voyez, c'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose. On va revenir. Il y aura des vidéos là-dessus. Et tout est là. Et le network diagramme. On va aller au network diagramme. Network diagramme pour voir. Network diagramme. C'est ça. C'est le network diagramme qui s'ouvre. On attend. Ça charge, on attend pour voir qu'est-ce que ça va nous poser. Dans l'ancienne application, ça nous fait sortir tous les membres qui sont sous nous, tous les membres qui sont dans notre réseau. Ça va nous faire sortir tout cela. On attend là-bas, là, et le network diagramme prend un peu de temps, ce qui veut dire que peut-être là maintenant c'est encore à ce niveau. Donc, on doit encore patienter. Comme on le dit toujours, il faut patienter. Le network diagramme. En fait, ça s'affiche comme l'autre aussi s'affiche. C'est la même chose. On va retourner en arrière. C'est ça. C'est le network diagramme. C'est comme ça s'affiche au fait. Mais il manque beaucoup de choses. On va retourner en arrière. C'est ça. On va essayer d'aller encore à nouveau sur le network diagramme. On le clique pour voir le chargement. Le chargement, il y a aussi l'internet aussi. Si la connexion est un peu lente, ça prend du temps. Bon, comme ça nous prend du temps, on va retourner. On va aller sur autre chose. On va aller sur autre chose. C'est ça. On va aller sur autre chose. Par exemple, on va aller sur Income. Tous les paiements qu'on a reçus, tout c'est le Income. On va sur le Income pour voir. On a le MLM. Par exemple, Direct Push. Direct Push Award. Direct Push, Direct Push Award. C'est-à-dire, c'est les points des awards qu'on gagne quand nous faisons des parrainages aux côtés du MLM. Le MLM. Ça, par exemple, j'ai gagné 8 dollars, j'ai gagné 16 dollars, 8 dollars, 16 dollars, ainsi de suite. Il y a tout un record, toute une traçabilité qui est là. Maintenant, on peut aller sur le New Retail. Le New Retail ici aussi pour voir. Le New Retail. J'ai cliqué sur le New Retail. On attend pour que ça cherche ça. Le New Retail, les bonus qu'on gagne au New Retail. New Retail Direct Promotion. Ça, j'ai gagné 3 dollars, 3 dollars ainsi aussi, c'est ça. 3 dollars ainsi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ainsi de suite. Vous allez voir tout ce que vous avez gagné, il y a toute une traçabilité, il y a un relevé de compte au fait qui est là, vous pouvez tout voir. On retourne un peu en arrière pour encore revoir encore dans autre chose pour voir à peu près, ben, c'est ça, je vois que tout est clair, il n'y a pas trop de choses à faire. On va dans Center Application, Center Application, c'est ça, dans Center Application. On va dans Center Application. J'attends que ça s'ouvre. On a cliqué sur Center Application.
Oui, on nous dit que l'application est toujours en maintenance, que d'attendre pour que tout soit prêt. On peut aller aussi dans Settings pour voir. Dans Settings, vous voyez, dans Settings, vous pouvez modifier votre mot de passe ici et tout. Et également dans Settings, vous pouvez voir qui nous sommes, CHE, qui nous sommes. Vous cliquez sur CHE, vous allez voir CHE là, vous pouvez lire un peu sur CHE, série, c'est ça. Merci beaucoup et on retourne en arrière pour explorer encore d'autres choses. Tout en sachant que pour faire rentrer un nouveau membre, il faut Network Diagram. Dans Network Diagram, il faut cliquer sur le poste vacant. Vous voyez, système erreur, ce qui veut dire que le système est toujours en maintenance. Merci beaucoup, cher leader. On va essayer de patienter encore un peu. Déjà, à peu près, c'est ce que c'est. Voici comment se présente le nouveau back office. Très joli et très sécurisé. Là, on va attendre encore un peu et petit à petit, on va se familiariser avec ce nouveau système. Veuillez nous écrire, mettez des commentaires, tout ce que vous voulez. On va essayer aussi de nous familiariser avec ça à 100% et vous envoyer des vidéos très définies, des vidéos, des tutos très définis pour que vous puissiez vous familiariser. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes une famille, on va évoluer ensemble et ensemble au sommet. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et le lien de la vidéo pour que tout le monde puisse avoir accès à ça dans le monde entier. Merci beaucoup. Allez, c'était le leader Yves, partenaire de Serumor International. Passez une très bonne journée, bien des choses ensemble au sommet. Ciao, ciao.